Et salut les amis, c'est Crafty NC pour une nouvelle vidéo. Retour de brocante, là on est samedi. Petit retour de brocante de Vierne, donc de Nantes. Bon, là je suis plus à Nantes. Donc les trouvailles du jour. Donc là il y a une pièce Napo. Une petite napoléonienne. C'est sympathique, on voit plus rien. Alors il y a du militaria, il n'y a pas énormément de militaria. Mais bon, voilà. Attendez, ouais, la pièce Napo, donc elle a fait la même date que l'autre. Donc attends, deux minutes, je vais me couper parce que j'ai un truc à faire là pour, par rapport aux casquettes que je vais vous montrer. Mais voilà, c'est bon, les problèmes réglés, c'était le ça qui se barre là. Voilà. Ouais, donc ça c'est un béret de scout. Donc après bah c'est sympathique, c'est les deux là. Je les ai eu pour 5€ avec une casquette de marin. Alors je sais pas si c'est militaria, mais je pense sans doute, ouais. Il y a marqué Matem derrière. Matem, voilà, il y a deux boutons de chaque côté comme ça là, avec une encre. Ça j'avais deviné que c'était marrant. Alors après on a ça, il y a marqué vrai basque, pure laine, imperméable fabriqué en France. Imperméable, mais ils sont vraiment, ils sont pas en piteux état, mais voilà, ils sont bons quand même. Et un petit quart, je suppose, de W2 français. Donc, je vais regarder, c'est français. Alors, il est niqué à max, mais regardez, il y a des marquages derrière. Attendez, juste, je viens de bouger. Ouais, voilà, il y a marqué en gros MMT avec un symbole, là, on dirait un peu britannique. Et puis un C, tiré 6. C'est tout ça. Sinon, elle est totalement niquée. Le fond a été écrasé. Enfin, bon, je n'ai pas eu pour cher, j'ai eu 1€. Voilà. Alors, un symbole des prisonniers de guerre. Un symbole des prisonniers de guerre, donc. Avec les deux barbelés, ça se porte sur le col. Enfin, sur le col. La patte d'épaule, oui, voilà. Ouais, ça, c'est autre chose que le col, la patte d'épaule. Donc, voilà, j'en ai qu'un. J'ai pas la paire. Je trouve que c'est une belle pièce, moi. Donc, ça, c'est 39,45. Sans doute 39,45, ça. Puis, ah, aussi une monnaie canadienne. De 1970. Alors, ça, il est de 70. Ça, j'ai pas encore trouvé la date. Ça, c'est soit en Algérie, soit W2. Et la monnaie napoléonienne, je pense qu'elle est de 54 ou 64. Voilà, je sais pas qui peut être celle-là, par contre. Voilà, et il y a aussi un truc qui a été marqué sur le cœur, là. Enfin, sur le cœur. Je vous nomme mon cœur. Il y a marqué ça qui a été mis. Donc, ouais, 1€, ça va lui bien son prix. Hein. Vu la sa gueule qu'elle a. Waouh, elle fait la guerre celle-là. Bon, on dirait qu'il y a du café derrière ou un truc du genre. Je sais pas ce que c'est. Voilà, donc sympathique, 6€ tout l'eau. Tout ça 6€. Tout ça, ça fait 6€, donc c'était pas mal. C'est prix assez sympathique. Donc voilà, donc, sur ce les amis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Demain j'ai une autre brocante, donc voilà. Les bilans, je vais laisser tomber ces histoires de bilans parce que finalement ça commence vraiment à me casser les couilles. Puis ça fait des semaines que j'aurais dû en faire un. Puis voilà. Donc en plus je suis en train de déménager, du coup je n'y pense pas beaucoup au bilan. Donc moi je vais vous dire sur ce les amis, à plus pour une prochaine vidéo.